Bonjour, bonsoir, bienvenue sur vidéo ça, une vidéo qui gagne pour mission font parler sur dernier et causer qu'a fait actualité dans question la banque en Haïti. Et information c'est qui ça, il fait quoi que BRH Banque de la République d'Haïti a subi une attaque cybercriminelle côté que il fait qu'on est et rumeur qu'a couru dit que BRH t'a perdu ou bien t'a coûté aller plus passer 40 millions de dollars. Donc est-ce que son information qui fondée nous pas connait nous va regarder est-ce que nous t'a supposé inquiéter nous va regarder encore et qui comportement BRH par rapport avec toutes les spéculations ça tout rumeur ça. N'a pas on pose tout court et puis n'a tourner tout de suite pour nous venir font tirer aller sur ça. Voilà, BRH, Banque de la République d'Haïti, que nous connaissons sous nom Banque Centrale, c'est lui-même qui est là pour contrôler toute l'autre banque qui vient à Haïti et pour contrôler le système financier haïtien. C'est-à-dire, BRH là pour le régulariser, il a pour le dire banque commerciale, mais qui ça pour faire, il a pour le garder, pour le SIO faire ça pour faire avril, et puis il a pour contrôler le système financier. Eh bien, information t'a fait quoi que dans jour qui s'est passé là, BRH subit une attaque. Moi même temps d'information, premier ça me fait, m'allé sur site BRH là et puis m'allé sur réseau, sur compte réseau yo et notamment Twitter et puis les privé. En général, BRH pas bail comme information sur ça qui a passé dans le système là. Et parce que chaque jour, les bon taux du jour etc, il y a quelques informations le bail. Mais non, on rumeur à telle envergure, bien il n'a pas dit rien sur lui, les malgaches n'ont pas vraiment dit rien qui dit sur lui. Et pendant ma poussée et recherche moi, n'en suivre toute BRH. Et puis ils sortent sur Twitter pour dire que BRH subit et un moment on s'appelle un dysfonctionnement de système, notamment et système de l'SPIA avec pour Napna. SPIA c'est qui ça? C'est système de paiement interbancaire haïtien. Et puis, et pour Nafla, c'est possession nationale de paiement. Système de paiement interbancaire qui est là pour qui ça? Son système qui est là pour permettre aux banques eux-mêmes de relier entre eux, faire transactions entre eux, permettre comme si par exemple, une banque a prêté non banque, c'est le système ça qui permet de faire. Si par exemple, nous avons compté non banque, mais ils font virement dans l'autre banque, nous avons compté dans ce banque, mais ils font virement dans une banque, et bien c'est à partir des systèmes et SPISA. Et qui permettent de faire. Si par exemple, moi j'ai un chèque et un mon nom banque qui a un compte dans le capital banque, fait ben moi et puis je vais déposer le nom compte et BNC par exemple. Donc c'est par rapport avec le système ça et l'SPIA que je suis capable de faire. Et puis, le système de Ponaplan, son système côté que c'est lui-même qui permet par exemple pour distributeur automatique qui vient dans la yo ATM yo les bons cartes ATM là retirer l'argent là dedans etc. Ce système ça donc et BRH annoncé avis il était sorti pour dire que système ça à partir d'un petit problème technique dysfonctionnel donc c'était ça seulement qui était gagné comme information donc qui fait et mon yo et inquiétude tabli dans l'esprit yo. Est-ce que ça a passé? Est-ce qu'ils ont piraté et BRH? Oui, ils ont piraté, ils ont pris le monde, ils ont cherché l'argent, ils ont pas ajouté l'argent, donc ils ont inquiété. Et bien à partir de là, nous-mêmes, qui ça nous fait, nous poussons les recherches, nous disons, est-ce que c'est vrai qu'ils ont piraté et Banque Centrale? Si vous avez piraté Banque Centrale, Banque Centrale, il y a des comportements qui sont supposés vis-à-vis de la population. Pour ta sorti même s'il pas pour la divulguer information mais au moins il a sorti quelques notes pour montrer conférence de presse etc. fait déclaration pour montrer que et bon tout le reste sous contrôle et c'est rassurant pas de problème pas rien non il va faire ça bébé silence radio sinon que il fait qu'on ait grandi dysfonctionnement. OK. Et même dans la recherche nous tombé sur son article et on société qui fait une société qui est les Speed Guards qui établi dans Boston qui yo même contrôlé qui sont bas cybersécurité yo t'es mené une petite enquête yo t'es fait un petit travail et intellectuel sur question est-ce que oui ou non BRH
les par rapport avec ça ouais est-ce que effectivement vous les subir une attaque cybercriminelle. Eh bien yo même yo t'ai analysé ça que les et bon groupe mafieux criminel et qui lié avec internet qui les speed guards qui tablent dans Boston qui yo même contrôler qui sont bas cybersécurité yo t'ai mené une petite enquête yo t'ai fait un petit travail et intellectuel sur question est-ce que oui ou non BRH li par rapport avec ça ouais est-ce que effectivement vous li subi une attaque cybercriminelle. Eh bien yo même yo t'ai analysé ça que les et bon groupe mafieux criminel et qui lié avec internet qui les ces groupes ransomware et yo t'ai gardé même si c'est pas seul groupe mafieux criminel gang qui gagne la question cybercriminelle mais yo même c'est sous li yo t'ai établi enquête sur. Donc dans enquête si là qui ça fait yo analyser de outils moun sa kon utiliser par exemple et gen ça que les dark web là sont parti caché d'informatique là comme un paquet de criminels et moun k'ap faire mauvais bagarre illégal etc. C'est sous li les besoin faire des transactions mafieux et c'est sous li au passé les besoin attaquer font cyberattaque c'est sous li c'est pas li au passé etc. C'est lui même qui gagne toute vieille information et tout bagarre caché qui existait dans internet là. Yo garde tout en application système yo Movit c'est un système qui permet que vous faites transfert gros bout de fichier donc ça veut dire yo garde est-ce qu'il y a un rapport entre banque centrale et bagay sa yo fini par et conclure que pas de rapport entre ça yo donc yo la conclusion par yo dit que pour yo et banque centrale pas vraiment subi attaque vraie. Oui, son bon travail mais est-ce que ça suffit pour dire que banque centrale pas subi attaque? Pour moi non parce que c'est pas seul groupe mafieux ça qui existait, il y a l'autre groupe mafieux qui existait. Yo même c'est sous groupe mafieux ça seulement yo basé enquête, tu vois. Et ben l'autre groupe mafieux qui a tout autant et attaqué BRH que l'autre. Mais par rapport avec cette conversation me gagne parce que même facteur des bagarre là, moi mon ami qui travaille dans BNT, li bon information li gagne par rapport avec oui système dans un problème et gon problème de transaction vrai etc. Mais li parle, il pas de trop information. Me contacte aux amis qui travaille là. Dans le bug, même bagaille. Et les contacts ont partenaire qui a travaillé comme comptable, les bonnes informations, les bonnes ensemble de informations qui l'autre et camarade mais ou pas de moi, mais les bonnes informations qui me pas dévoiler là, mais les mêmes tout, il y a des bagailles, il pas connaît tout. Pas oublier que nous dit la travail en tant que comptable. Et que débat il pas connaît tout mais que débat il pas autorisé me dit nous donc m'obligé pas qu'à dire nous mais et yo pas inquiétant yo pas rassurant tout mais yo pas inquiétant donc de mon point de vue par rapport avec cette enquête pas menée par rapport avec et recherche me fait sur internet et par rapport avec les amis qui dans système n'en parle avec m'estimer qu'il pas si inquiétant que ça donc pour qui ça et BRH lui-même n'est pas fait ken et les communiqués qui pour éclaircir mon œuvre, on pas connait. Sinon que et te garde un communiqué que BRH te fait, l'autre communiqué le fait parmi deux communiqués le fait sur question, c'est pour dire bon système de ralentissement qui te gagné plus ou moins yo commencé petit par petit par gérer ça etc. Le système SPIA a marché et petit système pour n'a plan tout l'a marché et petit donc il a rétabli ba mais il pas yo pas bail public là effectivement vraie information sur est-ce que son bagage qui fondé qui ça gagné qui ça pas gagné qui ça fait mais sauf que nous connaît et système informatique qui a obligé changer ou passer d'un système à l'autre est-ce que c'est parce que attaque là t'es guette arrivé loin nous pas connaît est-ce que c'est parce que étant donné que le journal là il a PC arrangé là encore nous pas connaît mais et si gain problème parce que normalement et si moi-même moi pas ka jwenn information qui correct moi m'avo qui et si citoyen pays et puis n'a chercher information pour pas ka jwenn et ben là gain inquiétude voilà et qu'on a regardé question non avec un jeu et économiste qui conséquence en situation comme ça ka gagner sur économie.
D'abord, il y a une plus grosse conséquence qui a gagné sur l'économie, son ralentissement d'activité économique qui a gagné sur le marché haïtien. Parce que, un, étant donné que le mode de transaction, c'est le mode de transaction qui fait en pile, mon yo même si par li, par yo yo passé des virements bancaires, etc. Et utiliser guichet automatique en pile patati patata. Donc il y a un ralentissement de l'activité économique dans le pays qui va créer une crise, même si pas une grosse crise, mais au moins la crise en crise qui quand même met ajouté sur ça qui existait déjà. Deuxième impact, on pense et li ka gagne activité et cybercriminel ça ka gagne sur l'économie et ka gagne un manque de confiance de clients au côté banque. Bien que et c'est pas et banque commerciale, c'est pas qui causé, mais banque centrale, c'est banque des banques, c'est lui même qui a un problème là. Donc quand on manque de confiance beaucoup de banques et manque de fait ça pour provoquer un bail qui très sec, mon yo pral besoin retirer l'argent en des banques et les mon yo besoin retirer l'argent pour parce que yo pas voulez l'argent en insécurité, yo besoin retirer l'argent mettre la caille peut-être plutôt bien mettre l'autre côté plutôt. Donc les ça mon yo pral en gouffre à chercher l'argent et les mon yo à chercher l'argent pas joindre, ça pral venir créer un problème. Un, et banque là pral nan incapacité pour bailler mon yo l'argent. Donc si banque là nan incapacité pour bailler mon yo l'argent, ka vinn gon l'autre phénomène, même j'ai vu même dollar qui existait, li ka vinn exister dans bout de l'autre côté que mon yo besoin l'argent pa ka joine et puis BRH pral obligé sortir des circulaires pour permettre que et par contre des bagages pour banque yo adopter qui et qui ka des grosses conséquences mon yo bien au déprimant de clients. Donc et ralentissement ça et puis mouvement et ça et manque de confiance ça qui a peut-être débouché tout sur ça créer un mouvement social. Les gens qui viennent chercher l'argent pas qu'à ben ça a suscité un mouvement social. Donc voilà, et je pense que normalement faut une bagaille bien BRH supposé faire, c'est à rassurer le public là avec plus d'informations, faire qu'on est que mais qui ça va aller pas mal, ben il y a pas qu'à dévoiler toutes les informations, c'est vrai, mais au moins expliquer, faire qu'on est qui ça va aller pour mon yo était tête faite. Voilà, et vidéo ça arrive dans bout li. Merci à vous qui t'es pour un petit temps pour t'étendre et garder. Nous souhaitons le porter un du plus pour vous dans ça où t'es connaît déjà et ça où pas connaît. Et nous, bon, passer rendez-vous pour une autre vidéo. À la prochaine. Bye bye.